Diabète, hypertension et maladies cardiovasculaires, l'obésité et le surpoids sont associés à de nombreuses maladies. Mais bien qu'ils pèsent lourd sur notre santé, c'est souvent le côté inesthétique qui pousse les personnes obèses à perdre du poids. Découvrez l'histoire de cette fille qui a perdu près de la moitié de son poids initial avec une astuce très simple, manger avec une cuillère à café, à de choice et s'advertissant jean in red invented by ads perdre du poids n'est pas chose aisée, c'est un processus qui nécessite une sérieuse implication et surtout une volonté de faire. Ceci, Mathilde Broberg l'a bien compris et l'a appliqué, un mode de vie malsain, Mathilde Broberg est une étudiante danoise âgée de 21 ans. Pesant 126 kg et ayant un IMC de 46, cette jeune femme avait de mauvaises habitudes alimentaires et ne faisait pas de sport. Elle consommait des doubles portions, de mal bouffait beaucoup d'aliments transformés et surtout très caloriques. Puisqu'elle n'avait pas droit au dessert, elle mangeait des biscuits chips dans sa chambre et arrivait facilement à 3500 calories. Par jour, ce qui est énorme, a de choice et jean red invented by TEADS-plus grand que le déclic. Mathilde a décidé de changer son mode de vie et de perdre du poids, après un incident dans un parc de jeux. La jeune étudiante a été très gênée quand elle n'a pas pu fermer l'arnée de siège d'un wagon de montagne russe. Elle n'était également pas satisfaite de son aspect physique, après avoir vu une photo d'elle pendant une activité scolaire. Elle s'est engagée sérieusement dans un programme de perte de poids et a effectué de grands changements dans son mode de vie. Elle ne consommait plus de chocolat, de gâteaux, de confiserie, de pâtes ou de pain et avait éliminé tout autre type de malbouffe de son régime alimentaire. Mathilde a aussi réduit ses portions de façon considérable. Elle affirme manger des portions de la taille de sa main. Mais l'astuce qui l'a vraiment aidée, c'était le fait de manger avec une cuillère à café. Ceci lui permettait de se sentir rassasiée rapidement, elle trompait, en quelque sorte, son cerveau en lui faisant croire qu'elle mangeait beaucoup plus qu'elle ne consommait réellement. Add Choice CES e. advertising j'gin Red Invented by TEADS en suivant ses directives et en faisant du sport régulièrement, Mathilde a réussi à passer de 126 kg à 67 kg. Elle a donc perdu près de la moitié de son poids initial et a subi une abdominoplastie pour se débarrasser de l'excès de peau au niveau de son ventre. D'une étudiante obèse à un modèle de vêtements de sport et coach sportive aujourd'hui, Mathilde est un modèle de vêtements de sport et coach sportive. Fin publicité dans play vidéo play mute current time minuit duration time minuit loaded 0% progress 0% stream type live remaining time minuit playback ratin, chapter chapter Subtitles subtitles of captions Caption of full screen foreground white black red green blue yellow magenta opaque semi opaque background white black red green blue yellow magenta opaque semi transparent transparent window white black red green blue yellow magentation, pas opaque, semi-transparent, transparent. transparent. Font Size 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 300% 400% texte Edge Style non ride 2 Prestige Uniforme Drop Shadow Font Family Default Monospace Serif Proportional Serif Monospace Sans Serif Proportional Sans Serif Casual Script Small Cap Default Se donne tout ceci, elle le doit à son dévouement et à sa volonté de faire, Mathilde travaille avec une agence de mannequinat. Elle apparaît sur de nombreux catalogues et publicités pour des marques de vêtements de sport. Auparavant, son poids représentait un réel handicap pour elle. Elle raconte qu'en étant petite, elle ne pouvait pas profiter des activités normales que faisaient les enfants de son âge, comme la natation. Ceci avait aussi impacté ses capacités à socialiser car elle avait toujours peur d'être jugée. Elle affirme aussi qu'elle n'imaginait pas qu'un jour, elle pourrait arriver à ces résultats. Après plusieurs situations gênantes, elle a donc décidé de reprendre sa vie en main et changer. En 2011, elle a savouré sa dernière part de gâteau avant d'arrêter toute la malbouffe et d'entamer son programme minceur. Mais même après avoir perdu beaucoup de poids, Mathilde s'est retrouvée avec un ventre pendant, dû à l'excès de peau. Pour retrouver un ventre gainé et tonique, elle a dû passer par le bistouri et bien sûr faire beaucoup de sport. Elle affirme qu'avant son opération, elle se sentait piégée dans un corps qui n'était pas le sien. Maintenant qu'elle s'est débarrassée de cet excès de peau, elle sent qu'elle s'est transformée. Elle est enfin devenue elle-même. Depuis qu'elle a perdu du poids, les membres de sa famille ont du mal à la reconnaître. Elle a même été draguée par de vieux amis qui ne s'étaient pas rendus compte que c'était elle. Mathilde a affirmé que les hommes s'intéressent beaucoup plus à elle maintenant. Mais elle a refusé de sortir avec beaucoup d'entre eux, parce que s'ils ne l'acceptaient pas quand elle était en surpoids, ils ne la méritent pas maintenant, tirait plus grand que tirait plus grand que.